Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droit à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Alors, je m'appelle Monsieur Chaïb Djema. Ici, vous m'auditionnez en qualité de président de l'association sportive. C'est une salle de musculation, le Tennis Club, qui a bientôt 30 ans. Donc voilà en ce qui me concerne. Alors vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Vous voulez connaître Alors dans un premier temps, nous aimerions connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. D'accord, dans leur généralité, ben, on peut être que contre. Hein. Alors moi-même, je suis issu de la diversité, de par mes origines. Donc j'ai ressenti, alors dire que je l'ai subi directement, en général les gens ne mettent pas des mots là-dessus, ou sinon on a quand même un appareil judiciaire qui a priori peut être utilisé, mais on le ressent au quotidien. Alors moi j'ai pour ma part une double sensation. Parce que étant issu d'une immigration, mais physiquement je ne le porte pas, comme on peut le constater, j'ai pu sentir un racisme des deux côtés. Mais en termes de discrimination, j'ai pu le constater au quotidien, même au travers de mon activité professionnelle. C'est insidieux, mais ça existe très largement. En matière de logement, en matière de promotion, en matière d'emploi, voilà, il y a pas mal de choses. Alors en tout cas, ici, il n'y en a pas. Hein, puisqu'on est tous égaux par rapport au sport. Enfin, a priori, là encore, on pourra en débattre. Il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Concernant le collectif SNCF, ils ont eu des rapports accablants de la part du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Il y a eu des condamnations prud'homales définitives. Tu as abouti les plaintes? Alors oui, au prud'homme, oui, mais justement, ces victimes n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale. Est-ce que vous trouvez ça normal, malgré un communiqué de la gauche forte, qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et que Monsieur Pépi, Guillaume Pépi, donc président de la SNCF, soit auditionné personnellement? Alors, dans quel sens ils n'ont pas accès à la justice pénale, c'est ça? En fait, le procureur classe toutes les plaintes sans suite. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports, des plaintes déposées, mais tout est classé sans suite. Ah ben ça, c'est... Si c'est avéré, si c'est comme vous me le dites, c'est vraiment honteux. Mais bon, il doit avoir la mainmise de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Mais je pense qu'en persévérant, on doit quand même pouvoir faire éclater la vérité. Vous êtes là un petit peu pour ça, là, aujourd'hui. Oui, tout à Donc fait. On peut que le déplorer, hein, surtout si des plaintes sont classées sans suite et qu'elles sont avérées avec des véritables éléments en termes de discrimination, de racisme. Bon, je pense que j'ai quand même lu quelques papiers dans les journaux. J'ai vu quelque chose sur Internet, pas mal de choses aussi. Hein. Sur Mediapart, il y a aussi un reportage sur France 2 qui a mis en lumière la situation. Qui existe, ou plusieurs. Oui. Il faut que justice soit faite, hein, de toute manière. Hein. Si ça tient à quelques hommes ou à une mainmise sur le pouvoir, hein, il faut le dénoncer, puis il faut continuer comme vous faites. Hein. D'accord. Et quelles sont, vous, vos préconisations afin que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que nous puissions faire évoluer les mentalités vers un climat beaucoup plus pacifique? Pour moi, vous avez dit le mot-clé, c'est citoyen, citoyenne. Donc citoyenneté, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, mais on a tous normalement l'idée de la même chose, c'est-à-dire de l'égalité pour tous. Encore faut-il s'engager, encore faut-il militer et se soucier de son prochain. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que le phénomène devient de plus en plus, on va dire, transparent. On est dans un monde d'individualisme, les gens ont du mal à se soutenir. Donc ce que je préconise, c'est plus de solidarité, plus de gens comme vous sur le terrain. Ça rejoint exactement le slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Très beau slogan. L'association organise justement des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ses victimes. Également, pour faire évoluer les choses, est-ce qu'à l'avenir, nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral lors de futures mobilisations citoyennes afin de faire reculer cette violence par le biais de la solidarité? Alors, moral, c'est certain. Physique, je ne peux pas prétendre de mon physique pour demain. Aujourd'hui, tant que je l'ai, bien entendu. Mais c'est pas moi qui décide, après, il y a quelqu'un d'autre. Mais bien entendu, c'est clair. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bon courage. Merci bien.